וידבר משה אל ראשי המטות לבני ישראל לאמור זה הדבר אשר ציווה אדוני. אל ראשי המטות, די רבנו אור החיים הקדוש, צריך לדעת מה נשתנית מצווה זו שפירט בה הכתוב ראשי המטות. הרי לפרמייר פרשה דולה. De la paracha, c'est le inyan des nedarim. Tout le détail de toute la halakhot des nedarim. Sur ça, il y a maseret nedarim. Pourquoi, concernant la mitzvah de nedarim, la Torah précise, Hachem demande à Moshe de parler au Rashi Hamatot. Toutes les mitzvot, parfois il n'y a rien écrit. Daber el Bnei Israël, Daber el Aharon. La Rashi Hamatot, la tête des tribus. Lama. Les rabotens au Messifri, Amrou, Lifi, Shebe Mahamar, Ahatsotzrot, Igdim, Kriat, Ahaïda, la Nessiim. Hash Lomar, Shehaïda, Kodemet, la Nessiim. Tamou Lomar, El Rashi Hamatot. Dans la paracha d'avant, il y a le inyan de Chatzotzrot, des trompettes, qui sont à Moshe, que avec ces trompettes-là, on utilise pour plusieurs choses, pour la guerre, pour faire démarrer les Massaot, pour réunir la Eda. Il y a Shofarot et il y a Chatzotzrot. Et là-bas, concernant cette paracha, Kadosh Baruch Hu a dit à Moshe d'abord d'appeler la Eda. La Eda, pas la Ada. La Eda. C'est quoi l'Aïda? Am Israël. Et ensuite, les Nessiim. Bidjouk, je veux dire. Bidjouk, jamais tu fais. Jamais. Bidjouk, là, je dis. C'est intéressant. Je vais pas perdre de temps maintenant. Ouachakodeshil, la gamelle. Pas Ouachakodeshil, il aime son rave, alors. Il sent. Puisque dans la paracha de Chatzotzrot, on voit que Kadosh Baruch Hu demande à Moshe d'appeler d'abord les Nessiim et ensuite, d'abord la Eda et ensuite les Nessiim, j'aurais pu croire que la Eda passe avant les Nessiim. Talmud Lomar, El Rashi Hamatot. J'aurais pu croire que d'abord la Eda, eux, doivent écouter les paroles d'Hachem et après seulement les Nessiim. Non. Les Nessiim sont en premier, c'est pour ça qu'Hachem ici demande à Moshe d'abord de parler aux Nessiim. Shehem akodmim. Ou bien, comme après un brou, Sheba l'omar, heter nedarim, beyahid mumche, kol ze darash, derash, vasmartot. Tout ça, c'est les Gmarot, deuxième pirouche, il y a ici, dire que les nedarim, ça suffit même beyahid mumche, même si c'est un seul qui est mumche, normalement il faut un bedin. Toute chose, il faut un bedin. Bedin, c'est minimum combien? 3. Ici, dans Nedarim, on peut faire atarat Nedarim même avec un Dayan. Mais il faut qu'il soit mumpré. Il faut qu'il soit, comment on va dire? Expert. Expert. Il faut qu'il soit un expert dans ce domaine-là des Nedarim, même s'il est seul. C'est pour ça qu'il écrit Rashi Hamatot. Rashi Hamatot, même un. Même un, ça suffit. עוד צריך לדעת למה הוא צריך לומר המטות לבני שלא היה לו לומר אלא אל ראשי המטות מטות בני ישראל נכון? יקחי, וידבר משה עם ראשי המטות לבני ישראל זה משפע נורמלו איפה יקחי ראשי מטות בני ישראל לתת לטריבו לבני ישראל יקחי לתת לטריבו העם ישראל Livné Israël. En grammaire, ça ne fonctionne pas. Veya nir elomar shinit kaven le daber beseder ze. Shelo tomar shelo ba'a mitzvah ela le rashi hamatot Israël levad. Laze amar el rashi hamatot livné Israël. Kavana laze ve laze. Je suis sûr ici tout le monde voulait répondre ça. Kavana le rashi hamatot et livné Israël. Ça c'est le plus. Vous avez compris la réponse?
La question, comment tu peux comprendre la réponse? La question est, pourquoi il y a écrit Raché Hamatot, Livne Israël? Il fallait écrire Raché Hamatot, Bene Israël. La tête des tribus de Bene Israël, pas la tête des tribus à Am Israël. Réponse, question c'est clair maintenant? Réponse, c'est pour te dire qu'il faut parler et au Raché Hamatot, ve Livne Israël. Comme ce qu'il y a écrit en bas. Non, mais Hachem il veut qu'il les prenne à part. Raché Hamatot à part, et Bene Israël à part. Pourquoi Dafka dans ça? Pourquoi Dafka dans ça? Pour les Nedarim. Ah, on a dit pour Yachid Moupré. Ouais, deux réponses, on a dit. Ben, parce que c'est pas Dafka dans les Nedarim, mais c'est puisque dans la paracha d'avant, là-bas, Hachem voulait qu'il parle d'abord à Naïda et après les Nessim. Alors là, il nous dit d'abord les Nessim, qui est Raché Hamatot, et après Naïda. Pour exclure qu'on ne croit pas que tout le temps, l'ordre, il va être comme là-haut. Et là, l'ordre, il est comme ici. Tout le temps. La première réponse. Deuxième réponse, on a dit, pour nous dire que Yachid Moumpré aussi peut être Matir Nedarim. Ve'agam shelo amar ve'livne Israël. Ah, il n'a pas dit le Vav. Normalement, il aurait dû dire Raché Hamatot ve'livne Israël. Alors, même Mikraot, Medabrim, Mesederze. Il y a des psukim, beaucoup, qui sont de cette façon, où il n'y a pas écrit le Vav. Keder, Omro, Reuven, Shimron. Reuven, Shimron, Lévi. Non, on dit Reuven, Ve, Shimron, Ve, 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 Ve. Kilo Amar, Ve, Shimron. Et la charité braïta. Vez elle est chône. Tanya, Yochon, Shalom Amar, Moshe, Parachazou, El Alenessim, Ilvan. J'aurais pu croire qu'Hachem, il a dit cette paracha, que Onessim, Nehemar, Kan, Ze, Haddavar. Ve, Nehemar, Bishrochot, Echout, Ze, Haddavar. Malé, Alan, Bechoule, Abzo, Nehemar, Lekoula. Ken, El, Mashmo, Tout le monde, Livne Israël. Ve, Livne Israël. Shalom, Tzoukho, Boraita, Lochi, Armik, Zera, Shava. J'explique la question. Il y a une braïta. Une braïta, vous savez c'est quoi? Dans Nedarim. La braïta est dit comme ça. Elle dit, quand on lit la paracha, on voit qu'il y a écrit « Vaïdaber Moshe el Raché Hamatot, il vient d'Israël, à qui il parle Moshe, Onessim, c'est Raché Hamatot. » J'aurais pu croire qu'Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de parler que Onessim. Je vous dis le chant de la Braïta. Alors, pour exclure ça, la Braïta a fait une Gzera Shava. Ne'emar kan, ze hadavar, shkut echut, sans un odin, c'est écrit ze hadavar. De la même façon que là-bas, c'est à tout le monde, ici aussi, c'est à tout le monde. Cette Braïta, c'est une kusha sur le roi Chaim? Ou pas? Oui ou non? On n'a pas besoin ici. On n'a pas besoin de quoi? Béli, béli, béli. On n'a pas besoin de... D'apprendre une Xerachava. D'apprendre une Xerachava. D'après le Pirouche du Harachaim Akadosh, il y a écrit Livne Israël. Et le Pirouche, c'est quoi Livne Israël? Ve Livne Israël. Donc c'est écrit Meforage dans le Passouk, qu'Hachem a dit à Moshe de parler et au Nessim et au Vne Israël. D'accord? Si c'est comme ça, pourquoi il y a besoin de Xerachava? D'accord? Donc la Braïta, c'est une Kouchia sur le Pirouche du Harachaim. C'est bon? T'es autre? Non, on peut dire que on peut comprendre et que c'est que au Raché Hamatot et que c'est aussi au Bnei Israël. Et genre, soit on peut comprendre avec le Val, soit on peut comprendre avec le Val, et bien mettre la. Quoi, soit, soit. À qui il a parlé Moshe? Avec des mots du Passouk. D'accord, mais à qui il a parlé Moshe? Qu'est-ce qu'il y a écrit dans le Passouk? D'après le Rachaïm. Soit, soit, soit. C'est pas le Passouk. Il dit, dis ce que tu veux. Il y a eu, c'est un fait. Moshe Rabbeinu, il a parlé. À qui? Après le Rachem Kadosh, et au Nessim, et au Bnei Israël. Après, il y a besoin de Zerachava. Baruch, Ata, Adonai, Elohim, Jumel, Shemakol, Niyam, et Baruch. Oui. Bnei Israël, c'est tout le monde. Non, mais Bnei Israël, c'est que les hommes. Bnei Israël, c'est que les hommes. Et quoi, les femmes aussi, Shrut et Chutz. Shrut et Chutz, là-bas, c'est les femmes. C'est que les hommes, c'est Korbanot. Vous vous rappelez de ce Lémor? Vaïdaber Hachem el Moshe, Lémor. Lémor, c'est pour dire aux autres. D'accord? Ici aussi, on a un problème. Qui n'est mis au Mrou Bnei Israël? Écoutez-moi ça. Vaïdaber Moshe el Raché Hamatot, Livne Israël, Lémor. D'après le Pirouche de Rahim Akadosh, c'est quoi le Pirouche de Basso? Kadosh Baruch Hu dit à Moshe, va parler au Nessim et au Bnei Israël
pour dire, les morts, c'est pas en disant, effacer dans les le Pentateuque, effacer là-bas. Les morts, c'est pas en disant, les morts, c'est pour dire. Alors, pour dire à qui? En général, Vaïdaber Hachem, El Moshe, les morts. Hachem dit à Moshe, pour dire à qui? À Israël. Mais là, le les morts, il est écrit après l'Ibn Israël. Alors, Bnei Israël, ils vont dire à qui? À Amalek. Amalek n'est pas de Nédario là-bas, chez eux. Il n'y a que des bombes sur leur tête. Vadaï. Veim akavanahi shirashi hamatot yomru livnei Israël. Ah, peut-être les morts, akavana. Toi, tu parles aux rachis hamatot onesiim que eux disent à Israël. Dans ce cas-là, les morts, il aurait dû être écrit entre rachis hamatot et livnei Israël. Quoi? Il dit Hayal olomar les morts livnei Israël. Odomro zehad davar. Encore une kushia. On va faire le résumé. Zehad davar ma balem ma'et betevat ze. Zé, ça m'éroute, oui. Voici la chose, cette chose-là et pas une autre. Ça n'exclure quoi? Zé Hadavar, Asher Tzivah Hashem. Voici ce qu'a ordonné Hashem. Ça et pas quoi? C'est quoi Zé Hadavar? Achen, Itba'er, Akat. Donc on a plusieurs couchiotes. On résume. Première couchia. Quoi écrit El Rashi Amatot, Livne Israël. On a voulu dire, le Rav a voulu dire, les Rashi Hamatot ve Livnei Israël. On a deux couchottes sur ça. Ensuite, pourquoi il y a écrit le mot les morts? Les morts à qui? Am Israël, ils vont dire à qui? Et troisième couchia, pourquoi c'est pas écrit? Et pourquoi, qu'est-ce que ça veut dire Zé Hadava? Voici la chose, voici. C'est quoi ce Zé? Ça veut exclure quoi? Achen itba'er akatu behagdim ma'amaram zal. Quel sourd d'étudiant, Rahani Kadosh. Shamru vezé leshona. Eter nedarim porahim ba'avir. Atka. Il y a écrit dans la Gemara. Chagiga. Vous avez fait Chagiga, non? Faites Chagiga en ce moment. Qu'est-ce qui fait Chagiga? Quel daf? Yud? Non, c'est écrit daf yud amud bet. Amud alef. Éternel Darim, Porohim Ba'avir. Qu'est-ce que ça veut dire? Le Éternel Darim, c'est quoi Éternel Darim? Atarat Nedarim. Ah, c'est écrit dans Chagiga? Porohim Ba'avir, ça flotte dans les airs. Éternel Darim, il flotte en l'air. Qu'est-ce que ça veut dire, il flotte en l'air? Ah, alors il dit, Hayadam, il dit, ça veut dire qu'il n'y a pas de source dans la Torah? Ah bon? Il n'y a pas écrit dans la Torah Atarat Nedarim? Fais faire, mais fire la vérité, toute la paracha, c'est quoi? Tu lis pas, Shabbat? Ah, les Gemara demandent, mais qu'est-ce qu'il répond? Allez, est-ce que vous? Tout ce qui est écrit, fais faire, c'est Afarat Nedarim du mari à la femme. Atarat Nedarim, c'est du Chacham. Il y a Hafarat Nedarim et il y a Hatarat Nedarim. Hafarat Nedarim, c'est que le mari qui peut. Et il y a Hatarat Nedarim, c'est le Chacham. Oui. Hafarat Nedarim, c'est ce qu'on voit dans toute la paracha. Vefir la, Biyom Shomro, Vehaya. Toute la paracha, c'est Hafarat Nedarim. Enfin, Hatarat Nedarim, c'est pas écrit. Nulle part. C'est pour Réh Bavir. Hein? J'ai dit Hafarat, c'est le mari et Hatarat, c'est le Chacham. ויש להעיר למה עשה השם ממצווה זו סדר זה מה שלא עשה כן בכל התורה שבכל דבר ודבר כתוב יושר וזו פורחת באוויר. Et il faut comprendre pourquoi הקדוש ברוך הוא a fait cette chose là. Dans toutes les mitzvot de la Torah, c'est écrit clairement les mitzvot. Il y a telle mitzvah, il y a telle mitzvah, il y a telle mitzvah. Pourquoi Hatarat Nedarim, Akadosh Baruch Hu, ne l'a pas écrit dans la Torah? C'est juste insinué par des remazim et c'est pas écrit explicitement. Pourquoi?
Hein? Tout le monde va faire comme ça. Tout le monde va faire? Ah, on va voir. Je crois pas, parce que c'est bien de faire Atarat Nedarim. La Gemara dit tout celui qui a un qui fait un Neder, c'est comme si il fait un Misbéach pour la Avodah Zara. Tout celui qui fait des Nedarim, c'est un source de Nedarim. Celui qui fait des Nedarim, c'est comme si il fait un Misbéach pour la Avodah Zara. Et celui qui n'est pas matiroto, qui l'annule pas, c'est comme si il amène un korban sur son misbéach. Korban de Avodah Zara, pour la Avodah Zara. Alors c'est bien faire Atarat Nedarim ou pas? C'est bien. Si tu n'écris pas Atarat Nedarim, ça empêche de faire des Nedarim. C'est encore mieux. Ah ben non, on aurait fait des Nedarim sans Atarat. Si on n'écrit pas Nedarim. Ah alors il faut pas écrire la paracha de Nedarim, pas la paracha de Atarat Nedarim. Kadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a écrit? Et qu'est-ce qu'il a pas écrit? La Hatarat Nedarim. On va faire des Nedarim, c'est écrit. D'après toi, hein, ça aurait dû pas être écrit les Nedarim Bichlad. Hein? Dans tous les cas, on aurait dit, on doit faire des Nedarim comme ça. Même sans Hachem, on aurait fait des Nedarim. Ah ouais? On fait jusqu'à demain. Bah, si Hachem, il n'a pas dit que ça marche, fais des Nedarim. Bah. Ce que tu veux. Parce que Gozel Bourou, il a dit dans la Torah qu'on peut faire des Nedarim que les Nedarim ça prend effet. Sinon, dis pas demain ce que tu veux. Donc la question est, la Gemara dit que Atarat Nedarim c'est pas écrit dans la Torah. Pour Erbavi, comme ça il nous a expliqué Hayadam. Heureusement qu'il a fait Ragiga. Et si c'est ainsi, pourquoi c'est pas écrit dans la Torah? Pourquoi Gozel Bourou il a fait comme ça? Achen Ataramu. Qui l'a ratza Hashem, si yé katouv le'en kol adam, si ha neder vashvoua yoshnam beheter. La réponse de Ron. Akadosh Baruch Hu ne veut pas que ce soit tellement dévoilé qu'on peut faire Atarat Nedarim. Il y a ma question à vous. Shebaze yezal zelu bin darim ou vishvoot. Sa réponse à ma question. Parce que là, ils vont en venir à mépriser les Nedarim. Ça veut dire quoi? Si c'est clair qu'on peut faire Atarat Nedarim, nous en avons à faire. Je fais un Nedarim. Je vais faire des Nedarim, je vais faire Atarat. Et ça, je ne veux pas. Que quelqu'un qui a un Neder et qui ne fait pas Atarat, c'est assourd. Il faut faire Atarat. Mais si j'avais. Oui, ça c'est ce que j'ai dit moi. Mais si j'avais écrit de manière dévoilée et le Neder et la Atarat, alors les gens, ils auraient fait de la rigolade des Neder. Je fais Neder, Atara, Neder, Atara, Neder. Ah, dis-moi, tu fais de la rigolade. Qu'est-ce que c'est ça? C'est pour ça que Kadosh Baruch Hu, il a voilé le dîme qu'on peut annuler un Neder. Parce que Neder, on a besoin. Neder, on a besoin. Alors, pourquoi, quand est-ce qu'on fait Neder? Quand un homme, il est en danger. Ou quand quelqu'un, il va faire une avéra. C'est encore un plus grand danger. Quelqu'un qui est en danger. C'est ça que Mara dit. Là, c'est une mitzvah de faire un Neder. Il est en danger, son bateau il va couler. Il fait un neder. Si Akadosh Baruch Hu, il le sort d'ici, de cette situation-là, où il y a des voleurs, où il y a des choses comme ça, peu importe, il fait un neder que Bezrat Hashem, il fera Sioum Hashas. Il fera un neder qui va acheter 10 mètres carrés à la Yeshiva. C'est sûr qu'il va s'en sortir. Sûr. Vous allez les entendre les mètres carrés là, je peux pas en acheter. Eh, voilà, c'est ça. Hein? Si on fait un Neder, on le respecte. C'est pas le même Neder, c'est pas le même Neder. Bah, d'aille. Bah, d'aille. Ça sert à rien de faire un Neder? Voilà, pourquoi je parle pour me troisième? Donc, on a dit, si un homme il est en danger, Neder. Pareil, s'il y a un danger encore plus grand, comme on a dit, c'est quoi? C'est une Avera. Si Khazushan va faire une Avera. Ou alors il sait qu'il a un Yetzara dans cette chose-là. Ou alors il est déjà tombé dans une chose pareille, où il a été à tel endroit, et ben Minan là-bas il s'est fait attraper par les clipotes. Ils l'ont attrapé et ils l'ont sali, sa Neshama. Et il a très peur de retomber dans cette chose-là. Alors maintenant il fait un Neder, Gamo. Qui met plus les pieds là-bas, ou qui s'approche plus de ce quartier, qui dépasse pas ce magasin, qui. Là, mais je n'ai pas. Fais un Neder. Il ne faut pas faire ça de soi-même.
faut demander à un rav. Prends conseil. C'est dangereux les nedarim, faut pas jouer avec ça, c'est du vœu. Après, c'est très dur de s'en sortir. Parce qu'il y a des nedarim, on ne peut pas faire atara. Des nedarim de mitzvah, par exemple, on ne peut pas faire atara. C'est compliqué. Alors maintenant, lui, il veut faire un neder, il va voir son rav, il va dire que Vodara, voilà, j'ai comme ça, comme ça, comme ça, un grand yetzara dans ça et ça et ça, est-ce que je peux faire un neder? Rav, il est chacham, il connaît son élève, il connaît les dinim de nedarim, il sait s'il peut tenir, il ne peut pas tenir. Parfois, quand on a très très envie de faire tshuva, alors on prend sur nous, regardez les kabbalot de Kippour. Regardez les kabbalot de Kippour, on est dans Kippour, c'est sûr à Kippour qu'on va les faire, c'est sûr, 1000%. Mais ça, après qu'on nous a fait 10 000 moussards, on a dit prends la moitié de la moitié de la moitié, on a pris un et tiens pas. Pourquoi? Parce qu'on est, à ce moment-là, on est kadosh, on est bien, on veut, c'est motivé à 100%. On oublie que le Yetzara, après, il vient et il nous fait passer toute l'émotion. Et après, on se lasse. Et après, il y a des épreuves. Et après, il y a des humeurs. Et après, il y a de la hatzvout. Et après, hop, il nous attrape. On oublie tout ça. Alors, la reine, il faut aller voir un chacham. Prendre conseil. Pas faire de soi-même. Parce que parfois, un homme, il peut faire un éder. Quand il est dans très bonnes conditions, il est dans Gadlou des Morines. Il veut faire un éder. Il peut se faire avoir. Parce qu'après, c'est très dur de s'en sortir de ce neder. Faire atara des narim, il faut prendre un, il faut raconter pourquoi il a fait le neder. On ne peut pas faire atara des narim. Trois personnes, si vous pouvez faire moi atara des narim, j'ai un neder, Non, tu rêves, ça ne marche pas comme ça. Il faut aller voir un raham qui connaît les nedarim. Il faut lui raconter ton neder. Et il faut lui dire pourquoi tu veux faire atara des narim. Voilà, je suis marre. Quand je lui ai raconté que j'étais là-bas, j'ai chuté, j'ai fait ce. Il faudra tout raconter. Sinon, ça marche pas. Il faut savoir qu'est-ce qu'on est matière comme neder. Il y a des dinim, il y a peta, harata. Il y a des dinim dans la terre des nerfs. Qu'est-ce qu'on a dit? Que dans ces deux conditions-là, on peut faire des nedarim, c'est une mitzvah. Ça sert à quelque chose. Alors, à part ça, il ne faut pas faire de nedarim. Et si on avait écrit explicitement dans la Torah la possibilité de faire atarat nedarim, les gens. On serait venu à être mezalzel dans les nedarim. Mais la zel it hakem Hashem, c'est beaucoup a fait bechokma. Mais Elim Adava, il a voilé cette halakha de hatarat nedarim. Ou Masar Haeter, regardez comment il parle au Rachem Kadosh. C'est comme Ruach HaKodesh qui dit là. It hakem Hashem, il dit que c'est ça la kavana d'Hashem, vous vous rendez compte? Le niveau qu'il a. Qui c'est qui peut écrire un plus haut? Peut-être, comme ça il faut écrire. Peut-être que c'est ça la kavana. Tu dis, tu es en train d'expliquer la kavana d'Hachem. Vous vous rendez compte? C'est qui le roi Hachem Kadosh? Il dit, Velache, Velaze nitrakem Hachem ve Aïnim Adavar. C'est roi Hakodesh. On ne peut pas écrire une chose pareille sans roi Hakodesh. Comment il peut savoir si c'est ça la kavana d'Hachem? Alors il a posé une question. Pourquoi Kadosh Bourou n'a pas écrit la kavana d'Hachem dans la Torah? Il donne une réponse. Oui, peut-être, dit Achidouche. Tu écris comme ça, la Velazé nitrakem Hashem behenim adavar, ou Masar haeter l'igdolé Israël, Shehem yed'o veyavhinu chidouke hamishpatim shebaheter, gdolé Israël, les tzadikim, l'igdolim, eux vont savoir les différences des cas où on peut être matir, quand on ne peut pas être matir. Aval bifne kolehamon iyune uledelet. Devant le peuple, la porte fermée. Même pas, t'as fait un éder, t'es bloqué avec. Zéro. Et natara. Débrouille-toi. Quoi? Comme on a dit, faut pas qu'on en vienne avec mes alzen dans les darim. Bifne kolehamon iyune uledelet le kayem kol neder kol shvua. On voit un grand principe ici dans la Torah, d'après ce pirouche. Que la Torah est transmise au peuple, mais pas de manière dévoilée. Il y a des choses qui sont voilées que pour les chachamim. Comme il y a plusieurs halakhot, dans le chasse on voit ça, que cette halakha, on ne la dévoile pas à Amaret. Laquelle? Je ne peux pas dire. On nous regarde. Tout le monde peut savoir. Tu dis Maserhet Brachot, tu dis Maserhet Psachim, là-bas il y a des cas, il y a des halachot, c'est des halachot, des dinim, que
entre nous. Entre nous. Chachamim, c'est pour nous. Tu dis ça dehors, ça va être déformé. Sûr. Sûr que ça va être déformé. Pourquoi ? On est plus intelligent qu'eux ? Peut-être. Mais, à part ça, on a les kelim pour savoir comment expliquer la Torah. Shlosh yisre midot, sha Torah nidreshet bahem. Comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Ils savent ça dans la rue ? Ils savent c'est quoi Hekesh ? Ils savent c'est quoi Gzera Shava ? Ils savent c'est quoi les 13 midot de Rabbi Ishmael ? Comment on est d'oresh la Torah ? Ils savent pas tout ça. On va commencer à dire dans la chôte, ça on apprend comme ça. Ah bon ? Ah ouais, ah, ils vont faire ce qu'ils veulent. Mais des dinim sont étonnants, il faut les expliquer. On les publie pas. Pareil, c'est un des exemples, mais dans la Torah, on voit cet exemple. À Kadosh Baruch Hu, il a caché certaines choses. Il a donné que au Chachamim. À la synagogue, quand Amcha, le peuple, ils vont lire la Torah, ils vont lire la Torah, Nedarim, le mari peut être méfer, le mari. Et si c'est le mari lui-même qui fait un Neder, quoi? C'est la femme qui fait méfer, il regarde dans les psukim. Ah non, la femme, elle peut pas. Ah, si c'est le mari, ah, c'est fini, ah, c'est fini. Bah oui. C'est pas qu'il peut aller chez le Chacham et à Tarat Nedarim, c'est pas ça. Quand Jumro, il dit, il vaut mieux pas qu'il sache. Pourquoi? Comme ça, il fait attention aux Nedarim. Avalo Chachamim, si Bémet, ils ont besoin, il y a des cas où il faut faire Atarat Nedarim, la personne elle s'est emmêlée dans des histoires à cause de son Neder, on appelle, bien, on te fait Atarat Nedarim, ça marche. Non, aujourd'hui, tout le monde sait que l'Atarat Nedarim. Non. Ils ne savent pas. Ils ne savent pas qu'il y a Atarat Nedarim. Et ceux qui savent qu'il y a Atarat Nedarim, ils savent qu'on ne fait pas des Nedarim. Ils connaissent la Chodo Nedarim. Et ceux qui connaissent les Nedarim, qui connaissent pas Zé, connaissent que les Nedarim, ils ne savent pas qu'il y a Tarvina. Regarde, c'est comme ça maintenant. Et aujourd'hui, c'est pas fréquent les dynimes de Nedarim. Les gens, ils savent pas les dynimes de Nedarim. Amcha. Ils savent pas. Qu'est-ce qu'il fait à Nedarim ? Tel Aviv, on est Nedarim. C'est choix, les Nedarim, c'est pareil. Je vois. Tu vois, c'est plus compliqué, je vois. C'est plus compliqué que Nedarim. Keomro, Loyahel, par exemple, dans la paracha, c'est écrit Loyahel Devaro. C'est quoi Loyahel? Loyahel Devaro, Fkoulin. Tu ne rends pas sa parole, Chol. Tu as fait un Neder, c'est Kadosh. Je respecte la Kdusha du Neder. Ne rends pas sa Chol, Loyahel. Donc on voit que Kadosh Boku ne veut pas qu'un homme transgresse son Neder. Kechol Ayotsemipiv, Yarase. Tout ce qui sort de sa bouche, qu'il le fasse. Un homme, il a fait un neder, il doit accomplir son neder. C'est pour ça que c'est très dangereux de faire des nedarim. Parce que si chas v'shalom, quelqu'un a fait un neder et il l'accomplit pas, il y a des punitions qui sont écrites. Des punitions pas évidentes. Vezehu shi'ur hakatuv. Voici la manière dont il faut lire. Vaydaber Moshe el Rashi Hamatot. Ah, pourquoi écrire Rashi Hamatot? On a demandé une des questions. On a oublié de mettre dans la liste là. Pourquoi ici, il y a écrit Rashi Hamatot plus qu'ailleurs? C'est pas? C'est la première question. Pourquoi ici, il y a écrit Rashi Hamatot? Parce que le din de Hatarat Nedarim, il est que à Rashi Hamatot. Voilà, on a répondu à la première. Shehem Gdole Israël, Hamitzvah Bishlemut. Aval, Livnei Israël est mort. Rashi Hamatot, Livnei Israël. Dans Nedarim, il y a le din du Neder, il y a le din de la Hatara. Le din du Neder et de la Hatara, on a dit au Rashi Hamatot. Livnei Israël, que le din du Neder. Ah, c'est beau ou pas? Il a changé son pshat, il change tout là maintenant. Il change tout. Maintenant, il répond à toutes les questions selon son histoire qu'il vient de dire, une par une. Donc, on a répondu. Rashi Hamatot, il leur a donné et le din des Nedarim et le din de la Hatara Nedarim. Livnei Israël, il leur a donné que le din de Nedarim. Ouais, c'est Pirouche, Matok. Pirouche, qui livnait Israël, Bichnalout, l'oyomar la hem, a dit bourre à Neymar, les rachats Matok. Et là, Zé Adava! Que cette chose-là! Quoi? Que le din de Nedarim, l'oratara. Ah? Zé Yofi. Zé Roach Akodesh, c'est le Pirouche. Hein? C'est
L'Ivne Israël, pour dire que les Nédarim. Et c'est pour ça qu'il a écrit Zéhadavar. À l'Ivne Israël, il a dit que Zéhadavar, que cette chose-là. Il les manque. Ah, je crois, je crois. Velo poreach ba'avir shenemar be'alpe l'erashe hamatot. Ovazen ityashvu kol adikdukim. Il continue. O yirtze al derech ze el rashe hamatot ba'a mitzvah. Ve'l'Ivne Israël, les morts. Pirush, ki hanoder. Benishba, mi bene Israël, yavo veyomar les rachés hamatot. C'est quoi les morts que eux viennent et disent aux rachés hamatot, Fodara, j'ai fait un éder, qu'est-ce que je fais maintenant? Zé les morts. On a demandé, à qui en Israël ils vont dire? Hein? Ils vont dire aux rachés hamatot. Parce qu'une fois qu'il a fait un éder, il est bloqué avec son éder. Et qu'est-ce que je fais, Fodara? Rachés hamatot. Zé les morts. Hein? Mazor, rachim akadosh. והם יגידו למו או שישנו בבל יחל ועד שישנו באתרה ראשי המתות ימודיר תות להלכות ואם תאמר לכל הדרכים דפרטו לפירושים אין קושיה הרי הוזכרו גם בני ישראל במצווה זו ולמה הוצריכו רבותינו זל ללמוד הדבר כנזכר ג'פה קומחי לקסטיון. Ah, oui, la première question, la Xera Shama. Oui. Arrête, on a posé une question. Dans la Braïta, c'était écrit qu'il y a une Xera Shama pour nous apprendre qu'Hachem a parlé, que Moshe a parlé au Bnei Israël. Or, on a dit ici, c'est écrit Meforash. Même d'après le Pirouche de Rachaim, il a dit au moins le Din des Nedarim au Bnei Israël. Oui. Alors, pourquoi il y a besoin de la Xera Shama? On a oublié cette question. Ah. N'est pas bien réveillé. C'est clair la question? Oui. La question, bien sûr. Il y a écrit dans une braïda. D'où on sait que Hachem, ici, a dit à Moshe de parler et au Rashi Amatot, c'est les Nessim, et au Bnei Israël. D'où on sait que Zera Shavat des Korbanot. De la même façon que là-bas, c'était à tout le monde, ici aussi, c'est à tout le monde. Ça, c'est écrit dans la Gemara. Mais d'après ce qu'on vient d'expliquer. C'est écrit ici aussi, explicitement. C'est quoi l'Ivne Israël? À tout le monde. Ouais, besoin d'un Xera Shava. C'est la question. Yesh Loma. Shelo Otsrichu Ladun Bixera Shava Ela Lomar Shemoshe Amar Advarim Ipiv Le Israël. Aval Le Hodaat Amitzvah Le Israël Lo Otsrichu Lixera Shava. C'est aussi. Tout ce qui a besoin de la Xera Shava, c'est pour nous dire que Moshe a parlé de sa bouche directement à Am Israël. Il y a des mitzvot où c'est pas Moshe qui est venu parler directement à Am Israël. Il a parlé à Yehoshua, au Nessim, et eux l'ont transmis à Am Israël. Cette mitzvah a été dite d'être transmise à Am Israël, mais pas directement par Moshe. Oui. La Xera Shava, ça j'aurais pas pu le dire d'ici. Ça a écrit Hachem, Vaidaber Hachem Moshe, mort. Comment s'écrit? Vaidaber Moshe, El Rashi Hamatot, Livne Israël, les morts. Il a parlé au Rashi Hamatot, Livne Israël. Nachon, ça a été transmis au Am Israël, mais par l'intermédiaire des Rashi Hamatot. Qui nous a dit que c'est Moshe Rabbeinu lui-même qui a dit ça à Am Israël, qui a dit? C'est la Xera Shava. La Xera Shava vient nous apprendre que de la même façon que là-bas, dans les Korbanot, Moshe Rabbeinu, il a parlé lui-même de sa bouche directement à Am Israël. Am Israël, ils avaient leur Rav. Leur Rav, c'était Moshe Rabbeinu. Il a parlé à tout le peuple. Comment il a fait une dracha à 6 millions de personnes? Comment il a fait une dracha à des millions de personnes? La plus grande yeshiva d'histoire, ça. Il a fait une dracha à tout Am Israël, Moshe Rabbeinu. Quelle route d'être dans cette génération. Écoutez la Torah de Moshe direct. Je crois qu'on a plus de scouts. Quoi ? Plus de scouts. On a plus de scouts que cette génération. Dans le noir, dans l'obscurité, dans les ténèbres. Et on étudie la Torah et on écoute, et il faut Emunat Chachamim et tout. C'est pas trop mal d'avoir Emunat Chachamim, mais Moshe Rabbeinu. Le Chokma, Moshe Rabbeinu, ce qu'il disait. C'est Hachem qui lui a dit. Direct. Il y a un doute, ce qu'il dit, Moshe Rabbeinu, c'est bon, c'est pas bon. Même ça, il y avait des histoires. C'est incroyable. Même ça, il y avait des histoires. C'est incroyable, incroyable. Marie dit des choses. C'est pas possible.
pas possible. C'est pas possible. Chose sur Moshe Rabbeinu. Ils l'ont soupçonné de vol, ils l'ont soupçonné. Deux choses. Je peux même pas dire ce que c'est. Je peux même pas dire. Midrash, un Romain. Ils ont soupçonné Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu. C'est incroyable. Toujours des histoires. Je me rappelle celui-là là, sur Zoom. Un matin, vous vous rappelez? Alors, la tuna, commence pas. Il s'est énervé, vous vous rappelez ou pas? C'est excité, vas-y, il s'est énervé. Pourquoi ça commence pas à l'heure? Après, il dit, je rigole, il dit, ça me manque les histoires à la synagogue. Vous vous rappelez celui-là ou pas? Ça me manque les histoires à la synagogue. Alors, il fait des histoires. Il peut pas, ils peuvent pas. C'est obligé qu'il y ait des histoires. On a tous rigolé. On était 4-5 le matin. Mais ça me manque les histoires. Ouais, il y a toujours des histoires, c'est incroyable. T'es obligé qu'il y ait des histoires. Même sur Moshe Rabbeinu. Il y en a rien. Al-Kolpanim. Ici, la Gzera Shava, qu'est-ce qu'elle nous apprend? Que Moshe Rabbeinu, c'est lui qui a enseigné directement les dinim de Nedarim à Amisel. À tout le monde, de la bouche de Moshe, ça c'est pas écrit une fourrage. Oui ? Là aussi, c'est dans la rédaction, c'est la bouche. Non, c'est pas écrit. Écrit Zadava à tout le monde. De la même façon que là-bas c'est à tout le monde, ici c'est à tout le monde. On a demandé, mais on sait que c'est ici c'est à tout le monde, c'est écrit à l'Israël. Réponse ? Non, on sait que c'est à tout le monde ici, mais ça peut être par un intermédiaire. Là-bas, la Xera Shava, dans Korbanot, c'était Moshe directement. וזהו מה שדקדקו לומר יכול שלא אמר משה פרשה זו אלא לראשי המתות ולא יאמרו יכול שלא נאמרה פרשה אלא לראשי המתות שאז תהיה הכוונה שלא נאמרה כל עיקה ועוד יש לומר שזולת גזירה שווה שהודיעה שמצווה זו נוהגת בישראל הייתי יכול לפרש אומרו לבני ישראל כאילו אמר של בני ישראל Mais il y a d'avoir chakoul, la hache ba exa chava, chatzeddi, chitzika. Mais qui tourne, c'est un autre pirouche. Ben le akshot, nouvelle couche. Les films à chez Pirach nous, zé hadava, chez ba le maret, chez l'oyoma, l'école, la col, chez anedarim, nitarim, bape, va retricha, zé hadava, l'exera chava, couche. Pourquoi il y a écrit dans le pasouk, zé hadava, d'après le pirouche qu'on a dit? Yorachaim. Zé Hadavar, ça vient exclure quoi? Que Abnei Israël, il n'a pas dit Atarat Nedarim. Il a dit que le din du Nedarim, mais pas Atarat. Enfin, comme ça on explique. Zé Hadavar, ça vient exclure que le din de Atarat Nedarim n'a pas été dit à Am Israël, au peuple. La Kushia est. Comment tu me fais une racha des mots Zé Hadavar? Alors j'ai besoin de ces mots-là pour la Xerachava. On ne peut pas utiliser des mots dans la Torah pour deux choses. Choisis. Ou pour ça, ou pour ça. Si c'est pour la Xera Shava, tu peux utiliser. On fait parfois des Xerot Shavot, même si on utilise pour autre chose. Alors, elle s'appelle Ena Moufnet. Et je Xera Shava Moufnet. Et je Xera Shava le Moufnet. C'est quoi Xera Shava Moufnet? Xera Shava libre. Et une Xera Shava occupée. C'est quoi une Xera Shava occupée? Une Xera Shava libre. Une Xera Shava occupée, ça veut dire que un des côtés. Alors c'est quoi Xera Shava? Deux mots semblables. On utilise pour comparer les dinim l'un à l'autre. Une Xera Shava, elle est occupée déjà. C'est quoi l'occupée? C'est-à-dire ce mot. J'en ai déjà fait une racha. Comme ici. J'en ai déjà fait une racha. Pour apprendre autre chose. Des enamoufnet. Et alors ça change quoi? Ça change que si j'ai une kushia sur cette dirajava là, misvara, j'ai une kushia, ça fait casser la dirajava. Ça la casse, tu l'annules. Zerachava moufnet, libre. Ça veut dire, ce mot-là, je l'utilise que pour la dirajava. Il n'y a rien à apprendre à part ça. Ce mot-là, je l'utilise que pour la dirajava. C'est dirajava moufnet, elle est libre. Ça, on n'est pas makché à l'air. On ne peut pas être makché sur cette dirajava. Même cette kushia, comment c'est possible de dire une alara pareille? C'est illogique. C'est comme ça, Zerat HaKatouf. Pourquoi? Elle est moufnette.
Ah, c'est la différence. Quoi? Donc ici, la Xera Shava, on peut la faire, mais elle n'est pas moufnette. Elle n'est pas libre. Pourquoi? Zera Dabar, ça vient exclure, comme on a dit, qu'Hachem n'a pas dévoilé les dinim de Hatarat Nedari. Ah, Misraël, on suit? והרי צריכה זה הדבר לגזרה שווה, קושיה, כי הגזרה שווה גמר למטבעת הדבר, ופירשנו הוא מטבעת זה לבד, אגב שהיא אומר זה אשר ציווה השם, תירוץ, תחסם, לגזרה שווה, אביין דימו כאו הדבר, פה דימו זה, זה, סבן אקסקלויר, הדבר, ספור לגזרה שווה, ביה? Hein? Il y a une coucha, la coucha était que... Ah, d'où tu sais qu'il n'y a pas de coucha? D'où tu sais, Il est réfléchi tout seul, non, il va... on est des bébés. Et alors, ça, c'est à toi de trouver qu'il y a une coucha, tu comprends sa kavana. Si tu dis cette Zera Shava, elle est déjà occupée, ça veut dire qu'il y a une coucha. Il y a plein de méfarchis, bah tu verras la coucha. ובדרך רמז התבאר אומו לבני ישראל למור זה הדבר על פי מה שאמרו זל ללשונה. מנו ענות פירוש על פי רמז. זה סתה פשט. עכשיו, רמז. זה מה כפה לשיעור. מה כשו כל כפה נלימור מנו? שעושה זה כשעושות, ובדרך רמז התבאר אומרו לבני ישראל. סי, טול מונד אגר עניב. אין אופי דן אמו. שקה ימיד אין. אין אופי לא אוכל עם דן אמו. ובדרך רמז התבאר אומרו לבני ישראל למור זה הדבר. יד, יש שוס כמו פעד, סיון נקספיק, זה תחול לור. שופק לשיר סו לור. יש שוס כמו שפס. על פי מה שאמרו זל, וזה לשונם. לעולם יהיה אדם זהיר בנדרים. אלף עיירות היו לו לינאי, המלך. עברתו למדרש. מדרש רבה. הקחיל הבא, נו למדרש, לעולם יהיה אדם זהיר בנדרים, אדם איפה כיפס אטרסיון, או נדר. את פרידון. אלף עיירות היו לו לינאי המלך. ינאי, זאתי הרוע, כי הייתה את חריש, הרוע ישראל. Contesté. Pas tout le monde était d'accord. Il a pris le règne de lui-même un peu. Il a fait des histoires au Chachamim. Vous avez fait l'histoire de Yanaï Melech? Agma? Vous avez fait? Bah, matin! Non? Hein? Ah non, ça c'était Ordouz. Yanaï Melech. Kitsu, Yanaï Melech, il a fait des problèmes aussi. Hein, mais ça, il a fait des problèmes. Et il avait 1000 forêts. C'est riche, 1000 forêts il avait. Mais Kulam Neherevo al-Jvoat Emet, il a tout perdu sur une joie qu'il a fait Bémet. Même sur la vérité, il a tout perdu. Quand je me dis Gidakita. Areshe Hagam Shayu Mitkaimim Jvoatam Nenchu. Même si ils accomplissaient leur Jvoa, ils ont été punis. On voit combien dans la Gemara on voit des Chachamim qui ont payé pour ne pas jurer. D'accord ? Shilem velo nishba. Mishnah. Baba Metzia, un meuf qui. Là-bas il y a écrit Shilem velo nishba. Il est prêt à payer, il ne jure pas. Pourquoi ? Jure que tu as quitté. Im nishba, l'homme jalem. Shilem velo nishba. Les tzadikim, ils ne veulent pas en aucun cas jurer, même si c'est émet. Jurer, monsieur Machin, je jure au nom, jurer au nom d'Hachem. Ah, le monde a tremblé quand il a écrit, quand Kadosh Boko il a dit, Otissa chez Marchaf. Je vois, tchad. Tout le lien de dire le nom d'Hachem dans la joie. Le monde a tremblé. Tu vois au nom d'Hachem, c'est pas de la rigolade. Faut faire très attention à ça. Et là, on voit que il y en a qui ont tout perdu sur une joie de Emet. Et je vois ça marche même en français, je te jure. La vraie joie de Horaïta, c'est jurer au nom d'Hachem. Je te jure sur eux. Sur une. Bon, bon. Ouais.
comme dans la... Sur ta vie, sur la vie de ta mère, sur ta... Aval, sur... Il y en a qui disent ça. Il y en a qui disent, je vois le Béchem Hachem, Bar Minan. Après, quand on dit, je te jure, ce que je dis, c'est vrai. Et c'est vraiment vrai. Ça, c'est... Il faut pas dire, je te jure, jamais de la vie. Mais même si on dit, c'est vrai. Écoute-moi. Faut jamais dire. Mais je te dis la vérité maintenant. Oui, la vérité, il a perdu 1000 forêts. T'en as pas 1000. Oui, mais c'est vrai, alors c'est quoi le Yann ? C'est juré. Juré, c'est un problème. Ouais. Juré, c'est un problème. C'est tout. Juré, c'est Kadosh. Juré, c'est pas de la rigolade. S'il y a un besoin, il y a un besoin, qu'un Eric, il a fait ça. Et pourquoi il a été puni ? Parce qu'il a dû faire ça sans une nécessité importante. Et aujourd'hui, c'est plus une expression, c'est pas une vraie joie. C'est une joie. C'est, fait... c'est une joie. C'est pas du tout la dans toutes les langues. Ouais. Il faut s'habituer à pas dire, je te jure. Je te promets. Ouais. Vama katouf kan ki yesh nedarim ou shvuot shetziva Hashem otam veomro livnei Israel lemor. En lemor ela gilui arayot. Pirush lehashash arayot. Le pasou qui vient ici dit livnei Israel lemor. C'est quoi lemor? Parfois il y a des nedarim qu'il faut qu'ils fassent en Israël. Quand les nedarim qui sont les morts. C'est quoi les morts? C'est Gilui Arayot. C'est écrit un pasouk. C'est écrit un pasouk où là-bas le mot les morts est employé pour Gilui Arayot. Gilui Arayot, c'est quoi? L'inceste. Oh, tout ce qui est les inanimes de intéressant. Pérouge. Les hachash Arayot. De peur qu'un homme en vienne au Gilui Arayot. זה הדבר אשר ציווה השם איש כי ידור נדר וידגדג לומר איש פוקו איש לום שכדו הביאה ליצר הדעיות ולום ירמוז לתקבורת ניגוד התאווה פס ושלום איש זה להפויסנס זה לתקבורת איש מלחמה כאון אמפלו לטרם איש ספי אלוזיון התקבורת Le boret, c'est quand la chose devient forte. Il y a un mot. Je l'ai. Tik boret adinim. Tik boret. Les takber. L'armée. Takber. Renforcement. Renforcement. Okay. Renforcement. Ça renforce. La ta'ava. Ça, c'est Ish. Alors, toujours quand il écrit Ish, ça fait allusion à la force. Quand on a dit Ish Mulchama. Alors, ici, quand on dit Ish ki dor neder, Ish, c'est l'union de la ta'ava, chas v'shalom pour Ariot, qui se renforce. Be'omra, ke'omra, pasuk, hay Hashem shichvi, shenishbar le yotso. Il y a un pasuk dans route. Je crois que c'est Boaz qui a fait ce pasouk-là, qu'Hachem a juré, que Boaz a juré, qu'il sera plus. Il faut voir le pasouk là-bas. Je crois qu'il sera plus avec Ruth, une fois il était avec elle. De là, il est sorti Mashiach, et il a juré qu'il ne fera plus ça. Je crois qu'il y avait une avira là-bas. Je crois que c'est ça, je ne suis pas sûr du tout. Peut-être qu'on ouvre. Quand on ne dit pas de bêtises. Ruth, Eva Kaja, j'ai Ruth ? Voilà. On fait le tour. Je vais déranger tout le monde. Ah, c'est chez moi. Pas Midrash. Route. Ah. Route. Nach. Pas Midrash. Midrash, j'aurais pris tous eux. Ah, Chumash, Ram, Chachum, chez toi. Route. Maïka. Toda, c'est bon. Gimel, Yud Gimel. Ruth. Aleph, Bet, Gimel.
Il est où? Dalet. Où les guillemets? Donc voilà. Guillemets, yud guillemets. Ok? L'ini halayla varia. בבוקר אם הלב טוב, גל, ואם לא יחפוץ לגבלך, גל די, אנוכי, היי השם, שכבי על הבוקר. בדיוק. זה בועז, כי אפילו השבועה פרפור אבות. דוק ילפין שבועה, לא מדרש די שכסו פסוק, ילפין שבועה, שם, בחילה. פור, אביטה, כי יהיה לו יצר הרע, כי היא לומבט. נכון? אנחנו רואים כפור עריות, איפה פרן את השבועה? שבועה נדר, זה לא מן חסיד. וכן, אמרו בפסוק, נשבעתי ואקיימה לשמור, כי מצווה נשבע ליצור. דוד המלך, נשבעתי. ז'ור, ואקיימה לשמור. תושבי רספקטי למצווה. מצווה נשבע ליצרו, זה מצווה דוז'ורי קונטר ליצר הרע. נכון? אתה יודע אם אני פלן דוקחף. אני חושב שאתה בדרך רמז. זה כל הדבר אל בני ישראל למור. אל בני ישראל, כוסה למור. כאילו, לשבועה, קונטר להעריות, זה איפה כאן. אבל אני עדיין קורא איפה. ונו, אני פעד הבא. כי זה כפי לשבועה? בואו, אז דוד. Est-ce que quelqu'un il a un Yetzara ou quoi? Avant d'arriver au Neder, déjà qu'il fasse du Moussa. Oui. Il ne fait pas de Moussa et il tombe dans le Yetzara. Il tombe dans les Averos. Il dit, je vais faire un Neder. Je fais du bêtise. D'abord, il faut utiliser du Moussa. Après, quand il a fait beaucoup de Moussa, comme David Ameler, comme Boaz qui était dégdolé à dos. Et les Tzara chez eux c'était trop. Là on sort les grandes armes. On sort le Joker. Ok, Neder, bam. C'est fini. Ah bah ils ont tout fait avant. Bah nous on vient tout de suite Neder. Ah je fais le Neder. Alors il a dit, ça va. Ah c'est l'homme. Ah c'est l'homme. Même pour Ariod, même pour ce que vous voulez. Pas de Neder. Autre pasouk. Allez, encore un pasouk. איש כי ידור נדר לשם או ישבע שבועה לאסור איסר על נפשו לא יחל דברו ככל היוצא מפיו יעשה. אני לא מכפרי נדר לשם הוא ג'ורי נדר שבועה פוכסן תרזיר ככשוז לא יחל דברו כי רומפס הפרול חול ככל היוצא מפיו יעשה תוסקיל הסרצית וסגבוש היא לופחה. Il y a beaucoup de drachot ici, de balai moussard, celui qui fait attention à sa parole, qui rend parole, tout ce qui sort de sa bouche, ça arrivera. Lo yahel devaro, celui qui ne rend pas sa parole, chol, qui fait attention de ne pas parler d'ivre chol, qui fait attention de ne pas, pas mentir, etc. Ki chol ayotse mipi, yahase, tout ce qui sort de sa bouche, ça sera accompli. Voilà, c'est kedai ça. Aujourd'hui, on a appris, dans Chot Tzadiki, que. Quelqu'un qui, dans sa pensée, ne va pas changer. Pas dans sa bouche. Sa bouche, c'est Vadaï, c'est Gemara. Quelqu'un qui t'a dit quelque chose. Hin Tzedek. Et Fat Tzedek. Amar et Doreshet. Chez Hen, Hen. Que ton oui soit un oui et que ton non soit un non. Ne change pas. T'as dit oui, fini. T'as dit non, c'est fini. Ben, j'ai dit oui. Oui, mais après, finalement, tu sais. T'as dit oui. Comment tu changes? T'as dit non. Comment tu changes? Là, c'est dans Dibo. Là-bas, c'est écrit, même dans la pensée, il ne faut pas mentir, il ne faut pas changer. Même dans la pensée, faire quelque chose de bien, qui ne change pas. Il écrit là-bas que si un homme fait attention de jamais changer ses pensées, même ses pensées, qu'il les émette même dans ses pensées, vous avez compris c'est quoi être émettre dans ses pensées? Même dans ses pensées, c'est émettre. On lui annoncera dans le rêve que des choses émettent qui sont lui dévoiler l'avenir. Comme les malachim, comme c'est écrit là. On lui dévoilera l'avenir
comme les anges. Comme ça, c'est bien dans le Chotzer. Non, il met. Incroyable. Tout le Indien du Yetzirah, c'est la pensée, c'est justement ça. C'est-à-dire que le mec, il n'a plus de Yetzirah. Ouais, bah, sur ce point-là, c'est. Ouais, on parle d'un point maintenant, on parle d'être émet dans la tête. Là-bas, il y a écrit c'est des marottes. Quelqu'un est venu, il a demandé à acheter ce prix-là. Lui, dans sa tête, il se produit. Il le vend 100. Et l'autre, il vient, il dit ah, j'ai entendu que tu as un truc à vendre, 120, c'est ça? Il dit ouais. Pourquoi pas? Ça vaut 120. Attention, si ça vaut pas 120, c'est un voleur. Ça vaut 100, ça vaut 150. Mais lui, dans sa tête, il dit, si quelqu'un me donne 100, je le vends. Il n'a pas dit, je le vends à 100. Si quelqu'un vient et me donne 100, je le vends. Alors, ça vaut 120? Il dit, ouais, 120. Tu me fais un prix? Non. 120, tu rigoles, ça coûte 150. Il est maître dans sa tête? Non. Et il fait une avera? Non. C'est la source qu'il a fait. Il a volé, il a menti, il a. Non, il a pas menti, c'est moutard. Ça vaut 150, il le vaut 120. Mais très bien, Hazak. Ah ben dans sa tête, c'est pas Emet. C'est ce qu'il y a écrit dans le passage. Vedover, Emet, Bilvavo. Il parle le Emet, même dans son cœur, même dans sa pensée, il dit le Emet. Vedover, Emet, Bilvavo. Mi Ale Berachem. Dans ce misement. Mi Ale Berachem. Ou Mi Akomim. Qui montera? Pour monter dans la montagne d'Hachem. Pour monter dans la montagne d'Hachem, c'est pas faire ce qu'il y a écrit seulement. Il faut être plus que ce qu'il y a écrit. Une des choses qu'il y a écrit là-bas, c'est Dover Emet Bilvavo. Comme le Gemara raconte sur un Chacham. Makot, vous avez fait. Nous, à la fin, dernier dev de Makot, le Rashi. Non, mais bon, pour le signe. Makot. Eva Makot. Makot, non. Dernier daf. C'est quoi le dernier daf? Ma dernier œuvre de Makot. Hein? Kaf Dalet. Amoud. Kaf Dalet Amoud. Allez. Rav Safra. Rashi je dis. Vous avez fait Makot. Vous avez pas fait, je crois. Vous avez fait? Bechel Tod de Ravaha. והווה הורידה דרב ספרה. רב ספרה יביא אין היסטוריה בכלי. היה לו חפץ אחד למכור. ילווה אנו בג'י אבון רב ספרה. הוא בא אדם אחד לפניו בשעה שהיה קורא קריאת שמע. הבנו אדם של רב ספרה. אל איתן פלן קריאת שמע. זה איזה רגע. אל איתן פלן קריאת שמע. הוא פה פרלי פנות קריאת שמע? הוא פה פר הרמז? הוא יהיה כמצא, לא כמצא. הוא עשו, קריאה. Il fait le crotz benav avec un signe de la tête, des yeux, oui, non, comme ça. Bechara j'ai écouté le shema, va amarlo, tenia hefetz bekach bekach damim. Tu me vends, attends, 100 disons, 100 je t'achète, 100 shekel. Vela anao, il lui a pas répondu Rav Safra. Mais penesh aya kore kriat shema, il dit kriat shema. Toi, tu peux pas répondre, fais un signe. On voit que non, ça sourd, même un signe. Il aurait pu dire oui comme ça. Chouda. Continue. Ah, j'ai pas compris, tu vois pas qu'il dit schéma. Ça, c'est la question que j'ai. Il disait à voix basse, mais on peut pas dire à voix basse schéma, il faut s'entendre. Peut-être il y avait du bruit. Mais tu vois pas qu'il bouge les lèvres. Marloquette anacha. Tu possèdes la de la Mishnah, la biosir ma yatsa. La yatsa. La marloquette que les khatrila, il faut faire avoir haute, bédiravad, avoir basset. Bédiravad. Alors ça ferait vous écrire bédiravad. Je dis non, c'est avoir haute ce chemin. Même si tu vois, il y avait du bruit, les lèvres, tu ne veux pas qu'il bouge les lèvres. Hein? Il était de dos. Ah, il lui parle de dos, dans le dos, il lui parle d'autre. Et tu me vends l'objet dans le dos, il parle. Est-ce qu'il faisait le passage? Il est grave celui-là. Hein? Est-ce qu'il faisait le passage, on doit dire à voix basse? Le passage qu'on doit dire. Mais l'élève, elle ne bouge pas, elle ne bouge pas, l'élève. Oh! Peut-être qu'il étudiait.
Il n'entendait pas que c'était le schéma. Il y avait du bruit. Lui, il s'entendait. Enfin, lui-même, il s'entendait. Mais celui qui est venu lui parler, il n'entendait pas ce qu'il disait. Oui. Alors, peut-être qu'il était sourd aussi. Peut-être qu'il était sourd et aveugle. Marre, mon Dieu. C'est aussi un tibou, ce Kitsu, il a dit, tu vends l'objet à 100 shekels. Alors ça ferait le pari. Kassavouze, Shelaya Retsonolit no Benemi Malalo. Alors lui, il a cru qu'il ne veut pas vendre à 100. Mais aussi. Alors il a rajouté. Amar Teneu le Bikarvekar, Yoter. Alors de moi, tu veux pas 100. Ok, 150, c'est bon, 150. Et comme ça, ainsi de suite. Arrivé, je ne sais pas combien. La Rache Siyem Kirat Shema. Amarlo, tola hefetz bedamim sha'amarta barishona. Prends l'objet au premier prix que tu as dit. 100. Et pourquoi? Moi, je te donne de bon cœur. Hein? Tu me donnes bon cœur, pas bon cœur. Moi, j'ai pas le droit de te dire. Moi, je peux te dire. Pourquoi? Quand tu as dit 100, dans ma tête, j'ai accepté pour toi. C'est le dover et mettre 1000 euros. Shibotam damim ayada ati nitener lecha. Pour cet argent-là, j'avais l'intention de vendre. Donc, je ne veux pas donner plus. Ça, c'est un exemple de quelqu'un qui dit le Hémet dans sa tête. Quelqu'un qui fait attention à ça, c'est un niveau. C'est un niveau, mais il faut aspirer à ça. Pourquoi pas? Je vous dis, j'étais chez Ravarié cette semaine. Ah, je ne vais pas dire tout. Je ne sais pas ce que j'ai dit. Bref. Et... toujours on a impressionné, j'étais encore impressionné. Ça ne se termine pas combien un homme il peut être kadosh. Impressionné, j'ai jamais vu une mida comme ça chez lui. Et un Inyan, il peut ouvrir et recevoir une grande somme d'argent pour son école. Il a une école de vie. Et il y a des gens qui aident, ceux qui ne prennent pas de l'État, etc. Ils reçoivent presque 50% du budget. 50% du budget de l'école qu'ils reçoivent. À une condition. Je n'irai pas en public. Il y a une matière là-bas qu'il ne faut pas étudier. C'est des règles. C'est la badate, ils ont des trucs. Il faut être à l'ancienne. Celui qui est à l'ancienne, ne prend pas de l'État, prend truc, pas de matière rôle, comme ça, comme ça, comme ça. Il est dans les critères. 50% du budget qu'il reçoit. Vous savez, c'est quoi ça? C'est quoi? Le Rav, il se tue sa vie pour amasser de l'argent pour son école. Il tourne dans tous les pays du monde. C'est un Gaon Olam en Limoud. Il étudiait 101 fois. Il faisait Chazarot. Sur ce qu'il étudiait, 101 fois. C'est un Gaon, il écrivait des livres et tout. Gaon à Géonim, c'était à Marie. Quand il était jeune, avec tout ce qu'il a pris sur lui, le rôle de son école. Alors il doit tourner dans le monde entier et c'est pas comme avant. Bref. Combien c'est Mitzirut Nefesh ce qu'il fait? Toute sa vie Mitzirut Nefesh. 50% d'un budget, ça lui enlève 50% de ce rôle. Vous vous rendez compte? Maintenant, il est obligé d'enseigner cette matière. Et en plus, Rav Ben Sion, il a dit à Rav Sasson Mizrahi qui était... Rav Sasson Mizrahi, c'était lui le directeur de l'école. C'est lui l'école. C'est lui qui a ouvert cette école. Au Rav Simcha. C'est lui, c'est Rav Sasson Mizrahi. Après, il a remis au Rav Arié. Avec l'école, c'est Rav Sasson. Et Rav Ben Sion, il a dit à Chacham Sasson qu'on peut étudier l'anglais là-bas. Pas de problème. Il y a un cherem. Je voulais pas dire, j'ai dit pas. Il y a un cherem que les gens de la Badat, etc., ils ont fait sur toutes les écoles qui apprennent l'anglais. Tous les endroits ils ont pas l'anglais. Interdit anglais. C'est chol. Anglais, ça ouvre des portes au monde. Des portes qui ne sont pas forcément propres, ça peut détruire des maisons, ça peut. Ainsi de suite. Mais qui sont on sait ce que ça peut faire. Apprendre d'autres lettres. La lettre, c'est l'hébreu. Aleph, Bet, Gimel. Maintenant, on commence à apprendre d'autres lettres. Ça donne accès à beaucoup de choses. Ça donne accès à l'informatique. Ça donne accès à des choses qu'une maison de Tahara. Al-Tahara Takodesh, il ne devrait pas y avoir. C'est leur chita. Oui. Et ils n'ont pas tort. Entre nous.
Ils n'ont pas tort. C'est pas très applicable aujourd'hui pour nous, mais ils n'ont pas tort. En tout cas, Chacham Ben Tzion, il a dit que les Sfaradim, ils n'ont pas pris sur eux le Kherem. Kherem, c'est... Kherem. C'est celui qui fait ça, il a un Kherem. Voilà. Vous avez compris, c'est quoi Kherem. Sfaradim, ils n'ont pas pris sur eux. Donc, on peut continuer. Ça. Maintenant, quand ils viennent vérifier, ils font les demandes pour avoir des aides, etc. On voit s'ils sont dans les critères. Ah, les critères. Est-ce qu'il y a un anglais dans votre école? Il nous a dit cette semaine, il m'a dit, que nous a dit, parce que j'étais avec le rabbin Tramon, il y a plein d'endroits, il y a plein d'écoles, où il y a ça, où ils enseignent ça, et ils arrangent. Non, il y a ça, mais ça, c'est que pour telle catégorie, mais là, non, là, oui. Ils arrangent. Et ils reçoivent 50% du budget d'une école. Vous savez, c'est quel montant? Ils ont des milliards, c'est les Satmer. L'Admour Misatmer, il vient avec des valises. Qu'est-ce qu'il y a dedans? Pas des chaussettes. Des billets. Il laisse passer. Il laisse passer. L'Admour Misatmer, ils ont fermé tout le pays pour lui quand il est arrivé. Il est contre tout l'État, il est contre les Tzionim, contre tout le monde. Là, il est arrivé il y a quelques mois, avant le corona, il est venu. Ils ont fermé tout Yerushalayim. Pour lui, comme le président des États-Unis qui arrive. L'Admour Misatmer, il arrive avec son jet et tout. C'est un roi. C'est un roi. C'est quand la vie comme le roi de la Nyoderma. Qui arrive, c'est un roi. Millions. Il vient pour distribuer à toutes les écoles qui étudient dans ce système Altarat, Kodesh, pas avec l'argent de l'État, etc., etc. Il vient, il donne. Comment ils vivent sinon? Ils ne reçoivent rien de l'État, rien du tout. Ils vivent, plein de mots. Il vient, il donne aux Sfaradim aussi. Bon, Rav Simcha, c'est aussi une école comme ça. Donc, pour être dans les critères, voilà, il y a les conditions. Pas de problème. Vous êtes dans les conditions. 50% du budget, ça revient, je ne sais pas moi, à 20 millions de shekels par an. Ils donnent. En coupure, petite coupure, ni compte en banque, ni walou, t'as un petit. Chou baba, tiens, boum, mets dans ton coffre. Top. Donc, il nous a dit, il y a des écoles, ils arrondissent les angles un petit peu. Ils reçoivent. Il m'a dit ces mots-là. Les olam, lo achane bedibo. Les olam, jamais. Je changerai ma parole. Jamais, comme ça il a dit. Le Olam, là, j'en ai dit. Jamais. Il lui demande, tu fais l'anglais? Oui. Ah, mais y'a quoi d'arrof? T'es en train de tuer ta vie, t'es en train. Ta santé, tes forces, toi, ta Torah, Bitoul Torah, les yeux, les tout, pour cette école. 50% prend, dis, fais comme tout le monde, fais dis, moi. Tout le monde fait ça, tout le monde dit oui, oui, mais t'as pas papa. Là en l'âme, là à Chalet, il dit, bon, regardez, j'ai des frissons quand je me dis ça. Quel gadlout de la personne. Comment un homme il peut être Kodesh Kodashi. Là en l'âme, là à Chalet, il dit, bon, jamais je changerai ma parole, jamais je mentirai. Jamais je mentirai. Mais ça te coûte très cher. Il nous a dit lui-même. Michel Omer et Met, c'est caché. Très dur. Celui qui dit le Met, c'est très dur. Mais, quand même. Regardez. On ne croit même pas que ça existe encore des gens pareils. Un qui est prêt à sacrifier sa vie. Ma mâche, qui est plutôt, je dis, sacrifier sa vie pour pas mentir. Vous vous rendez compte? Qu'est-ce que c'est en fait la chaîne? Ça coûte très cher, ça fait très mal. Et alors, Kadosh Baruch Hu l'a dit non. Mideva, chacun t'es hak. Kadosh Baruch Hu a demandé de s'écarter du chacun. Ça coûtera ce que ça coûtera. Qui peut être à côté de lui dans l'Olam Haba? Qui peut le voir dans l'Olam Haba? Qui peut voir le Rav dans l'Olam Haba? Où il va être avec Hachem? On a une idée. C'est mal. Ah, ça, c'est une petite histoire, un petit exemple, je vois. Quoi. Toute sa vie, c'est comme ça. Que des choses.
si vous pouvez faire incroyable de Ravod Hashem, c'est pas possible. Démissionnote. Je peux pas, c'est impossible de raconter. C'est... Ou ils vont pas croire, ou vous avez un problème. Impossible de raconter. C'est, pas, c'est des films. Chaque histoire à lui, c'est un film. Qui va le voir? Oh là, ma pas. Qui? Shrechem, vous avez eu le soin de voir son visage. Shrechem, il est venu plus d'une fois. Vous êtes assis la dernière fois avec lui en bas, vous rappelez? Les brachot, il était de bonne humeur, il rigolait. Aïe, aïe, aïe. On peut le voir dans l'Orlam Azé, il faut profiter. On peut prendre une bracha dans l'Orlam Azé, il faut profiter. Ah ben voilà un exemple de Rav Safra. On a Rav Safra vivant. Un exemple de Messirut Nefesh pour ne pas changer. C'est même pas du mensonge. On peut arranger, on peut arranger. Des Eterim, 10 000 pour trouver. Eterim al-Pialach. Mazenik Ranishanot. Ça sent pas bon. C'est un gros rêve, t'es en train d'user ta santé. Reste un peu en Israël, reste étudié, tranquille. Ah, combien ça montre la Messirut Nefesh qu'il faut faire pour faire la Shmirat HaMitzvot. Respecter les mitzvot coûte que coûte, dans toutes les conditions. La Messirut Nefesh. C'est hier, cette semaine, je sais pas. Hier, j'ai entendu une histoire sur lui. Pas hier, avant-hier. Jamais, jamais su ça. Jamais, jamais. Jamais. À Pourim, je vous dirais. Comme ça, il lui a dit des trucs. Je vous dis le titre. Il lui a dit le Gilgoul de qui il est. Rav Sasson. Mais qui c'est Rav Sasson, là? Il lui a dit le nom et la personne et tout, 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 tout. Il lui a dit le Gilgoul de qui il est. Mais c'est pas possible, ça. Comment ça? Rav Sasson, on l'a connu. Il était là. C'est une génération, Rav Sasson. Un homme tellement kadosh, il sait voir les neshamot des gens, il sait quel guide. C'est comme le Arizal. Quand Ben Harry, il sait dire à la personne quel guide il est. Tof, c'était Saravruta. C'était très 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 attaché. Rav Sasson et Rav Harry. Très attaché. Moi j'ai été au Espedim quand Rav Sasson est Nifta, au Esped que Rav Harry il a fait. Il n'a pas dit un mot, il a que pleuré. Il s'est mis debout sur une gamme, il a pleuré. Pendant une heure. Il pleure, mais pas pleurer un petit peu. Ouais, on a perdu. Pleurer comme l'Arlène. Le plus grand des drames qu'il peut y avoir au monde. Il se met devant tout le monde. Avaré. Ils ont dit que votre rave, assis-toi. Il faut commencer la dracha. Tous les rabbinim, ils ont fait une journée entière d'espédim sur Rav Sasson. Dans une synagogue, toute la journée. Il y a Mshikou de Torah et des rabbinim. Les grands rabbinim sont venus, un après l'autre. Il y avait une chaise pour les rabbinim. Quand il est monté pour parler à varier, il a dit assis-toi. Impossible de s'asseoir. Impossible de l'asseoir. Kodara, bravo. Il est resté debout, il a commencé à dire deux mots, et il a commencé à pleurer. Mais vas-y pleurer. Pleurer comme une femme. Ah, comme ça, en pleurant. Impossible de parler. Rien qu'il a pleuré, c'est tout. Après, il a dit deux mots et il est descendu. Qui c'est? Qu'est-ce qu'on comprend? On comprend rien. Qui c'était Rav Sasson? Qui c'était Saravruta? Qu'est-ce qu'il a perdu? On comprend rien. Rav Sasson, c'était Kodesh Kodashim. Ça, on sait, quand il est Niftar, quand il était vivant, personne ne sait rien de lui. Vous croyez que Rav Sasson, quand il était vivant, Rav Sasson, ouais, c'est Rav. Non, rien du tout. Rien du tout. Ah, juif comme ça. Rabbi ou Ari? Ari à Kadosh, Arizal. Oui, Arizal. Si Arizal il arrive dans cette génération, il arrive, Arizal. Tu dis Arizal il est en France, il est à pied, tu vois. Arizal. Quand le Arizal était vivant, personne ne le connaissait. Plus que ça, il y a des gens qui lui parlaient mal de lui. Quand il était vivant, l'Arizal. Il y a des gens qui disaient, celui-là, quoi, bon, il y a encore un baba, quand. Les gens, ils parlaient mal du Harizal. Il y a des histoires, regardez, Chifra Hari, un livre, Chifra Hari. Lisez, c'est bien de lire ce livre. Les gens, ils parlaient mal du Harizal. Personne ne le connaissait, le Hari. Il y avait Rabbi Chaim, même Rabbi Chaim Vital, il ne le connaissait pas.
Rabbi Chaim Vital, son élève, quand le Harizal lui dit, viens étudier. Il dit, non, je suis occupé. Rabbi Chaim Vital, il avait des grands travaux, toi. Des grands rabbinis, il avait. Mais non, c'est bon. Le Harizal propose une chavruta. Tu viens pas? Non, il est pas venu. Parce que le Harizal est venu, il a attrapé, il dit qu'il est venu dans ce monde que pour lui. Il lui a enseigné toute la Kabbalah en 10 mois. Mais de son vivant, personne ne connaissait. Pareil, Rav Sasson, Rav Shalom. De son vivant, quelques personnes. Rav Ben Zion. C'est cette semaine, c'est Shabbat, ça y est. On n'a pas eu le scope de parler. Rav Ben Zion. Quelqu'un connaissait Rav Ben Zion? De son vivant? Qui? Tu apprends, Youssef. C'est tout. Tu vas en France, Rav Ben Zion, Rav Shalom. Quoi? Qui? Quoi? Personne ne connaît. Après, quand ils sont niftarim, alors, le dolim, tzadikim, bemitatam, yotam, ibrahim. Azraf Sasson, c'était qui pour pouvoir dire à Rav Aryeh quel goût il est? Comme les histoires de Yorizal. Il lui a dit, j'ai entendu ça avant-hier. Qui c'était? Ça, je peux, ça, c'est impossible. Même à Pourim, je crois. Impossible, ça, c'est. Hein? Omer en Haïm Akadosh. Aïe 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 aïe, je t'inverse pour la Torah. La Torah, comment elle est? La Torah, elle est grande, profonde. Il faut arriver à ces niveaux-là qu'on étudie en la Torah. Ah, quand on a des histoires, un truc. Toi, comment on peut rêver des niveaux pareils? Là, tu viens du Moussa, beaucoup de Moussa, beaucoup de Moussa. Mazé Emet, Mazé Khotamoshé, Kazoukho Emet, des choses qu'on connaît. Ah, si on ne les répète pas comme il faut, et on n'est pas. On ne travaille pas les Hashiv et les Lèvres. Le Hashivota et les Vavecha. Le Hashivota et les Vavecha. Il faut que tu descendes de ça, de là, au cœur. Là, il y a tout là. Kulano Chachamim, Kulano Nevonim, Kulano Nerim et Torah, on sait, Vada, Emet, Chazon Shalom. On dévache à Katricha, on ne pas chute. Et toute la journée, on ment. Mamash, toute la journée. Si on fait attention, toute la journée. Parce que, surtout, on ment. Aval, la Chive et la Lève, on va prendre des livres de Moussa qui vont nous répéter. Voir ce que je vous ai raconté, c'est frappant, ça fait un bang dans la tête, ça fait un choc. C'est chose pareille, tu vois de tes yeux quelqu'un qui. Tu sais sa vie, tu sais comment il souffre. Tu peux pas. Tu peux. Tout le monde fait ça. À ce point-là, le Emet, c'est important. Ok, à ce point-là, ça vaut le coup. On peut faire confiance en Rav Aryeh, que ça vaut le coup ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. C'est pas. Ça vaut le coup. Mazé, Midol, Mazé, Tor. Ça aussi, il a raconté. Beaucoup de raisons. Les Nessionot en cause de l'arrêt sont terribles. En remplaçant, il va. À couler dans un rayon, dans son cul. Terrible. Tout mazé. Ritrazek, Ritrazek. Parvo d'attaché. Encore une fois, c'est le moussard, c'est tout. Je dis beaucoup de moussard, je dis, si, ouais, moi je fais pas. Parvo d'attaché. Il faut faire. Il suffit pas de suivre qu'on fait ici, le moussard qu'on dit là maintenant. Tu étudies du moussard, s'asseoir, étudier du moussard, prendre un livre de moussard, étudier le moussard sérieusement. Prendre la livre et pleurer et rentrer dans le. Ça rentre pas dans le cœur, pourquoi ça rentre pas? Pourquoi je comprends pas? Pourquoi je change pas? Et ça a de ça, de ça, de ça. On a les erreurs de tout, nous. Tout, il veut dire le vol, le mensonge, harayot, la shonara, ta'avot, kina, tout ce que tu veux. Le kavot, le gava, tout, tout. On est bien, bien. Enfin, il faut sortir un petit peu. Ce qu'on peut. Se nettoyer. Comment on se nettoie? Faut pas aller au cœur. Qu'est-ce que je fais? Je suis une affaire. Comment il faut être?
pleurer, bon shalom, aide-moi, être tzaddik, aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi à connaître la Torah. Aide-moi à aimer la Torah. Et ainsi de suite. Il faut faire du moussard, c'est ça du moussard. Ça ne viendra jamais tout seul. Jamais ça viendra tout seul. Jamais un homme, il va, au bout de 10 ans, tout homme va être tzaddik. Jamais de la vie. Il faut travailler dur pour être tzaddik. Et comment on travaille ? Que avec le moussard. C'est ce qu'ils n'arrêtent pas de dire tous les chachamim de toutes les générations, on ne les écoute pas. Non, moi j'ai une chita, moi j'étudie la Gemara. On ne les écoute pas. Bonne chère madame. Moi le premier. Lui et Zahra, il ne nous laisse pas. Même quand on fait un set dans le moussard, on prend sur son exil, ça tient deux jours. Après là, il y a un truc, bah hop. Bah. Oh, Mishnah Berurah, ça bouge pas. Ah, ça bouge pas, ça. Chabois, Seder, Fromage, Seder. Les autres Zdarim, ils bougent pas, regardez. Il y a quelqu'un qui fait là, déjà la guerre et il fait un Seder, ça bouge pas. Oui, il y en a, ils sont même pas là encore. Moi, je parle après. Regardez, dans tous ces Zdarim là, tu peux faire ce que tu veux. Pendant 50 ans, il bougera pas le Seder. Fais un Seder, Moussa, deux jours, ça saute. Il t'a fait même pas faire attention que ça saute. Pourquoi? Parce qu'il a un bal, il tape. Oh là, il te fait en 12 que tu le sentes pas. Et tombe. Ah, il faut recommencer. Mais c'est pas grave, c'est comme ça, il faut recommencer. C'est vrai, j'ai pas de cédère de Moussa. Où elle est ma demi-heure de Moussa? Seul, avec un livre, où ça rentre, là, chez toi, t'as allé vers mon âme, il pleure. Où j'ai ça? J'ai pas? C'est vrai, j'ai pas. Faut que je fasse. Quand? Demain. Hein, demain, c'est. Quand demain? Aujourd'hui. Tu dis demain, c'est comme le régime. Y a pas. Aujourd'hui, il faut faire. Maintenant. Aujourd'hui. Quand est-ce que je le place? Aujourd'hui, maintenant, je décide quand est-ce que je le place. Je mets emploi du temps, je mets un post-it, je mets ce qu'est. Telle heure, Moussard, zéro. Tellement que c'est dur de fixer un cédère, ça montre combien. Combien l'enjeu est grand, combien là-bas tout se passe. Si un homme fait un set dans le moussard comme il faut, combien il est protégé, combien il peut avancer dans tout. De la difficulté qu'il y a à faire un set dans le moussard, on peut comprendre l'importance du set dans le moussard. C'est vrai, parce que toutes les autres choses, c'est facile à faire. C'est facile, on étudie toute la journée plein de choses et. Bon, ça va. Et ça, non. Ben, il faut. Aujourd'hui. Ah, mais c'est Shabbat. Je vais faire un set de Shabbat. Ce soir, c'est Shabbat. Et quand? Dimanche. Pourquoi Shabbat est pas comme ça? Ah non, tout ça. Shabbat, il ne faut pas se faire. Il faut pas souffrir. Ah, ben, ça ne fait pas souffrir, non, Moussa. Ça fait du bien. Shabbat, quand ce soir, quand prendre un petit livre de Moussa, une petite demi-heure, 20 minutes, ou Moussa. Le Shabbat, c'est pour être tzadikim, c'est comme ça. Ça donne envie. Je lis un livre sur Rav Ovadia. La vie du Rav Ovadia. Tu as envie d'être Rav Ovadia pendant une semaine. Après, tu peux. Tu as envie d'être Rav Ovadia. Okay. Sûr, tu vas être Rav Ovadia, c'est sûr. Donc, quand tu es dans le livre, c'est sûr. C'est Rav Ovadia, sûr. Ça donne des forces, c'est pas grave. Après, encore du chizouk, encore du chizouk, divin Torah, tsechim chizouk. Toujours, il faut renforcer, toujours. Ça, c'est la grande importance du moussard. Gam, là-bas, on apprend des notions qu'on ne connaît même pas. Des notions qu'on ne connaît même pas. Comme là, on a dit, pas mentir dans l'esprit. Pas tout le monde sait ça. Si on n'étudie pas les livres de moussard, comment on sait que ça existe, ce principe-là, de pas mentir dans la pensée? Si frère Moussa, ils te disent les maralotes qu'un homme peut atteindre dans l'avodat Hashem. Shem, Zakenu, Avodat Hashem, il reste une minute. Je vais vous dire un chidouche. Il nous a dit Ravarié. Cette minute-là, sur la paracha. Il y a écrit la paracha de Benegad ibn Reuven. Dans ma tote, à la fin, il y a Benegad ibn Reuven. On connaît ça, nous, des gemarotes. Ils ne connaissent pas la paracha, mais ils connaissent la Gemara. La Gemara est Tnaï. Tnaï b'negad ou b'neroven. C'est une grande halakha dans les dîners Tnaïm. Dans les conditions. Quand un homme fait les conditions, il y a Tnaï b'negad ou b'neroven.
Donc le Tnaï, il soit comme il a été dit au Bnegal et au Meroven, où il a été dit, Parashat Matot, à la fin de la Parashat.